Et bonsoir à tous et bienvenue sur la console rétro, je suis Jay, je serai votre hôte ce soir comme tous les vendredis. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve aujourd'hui pour jouer à Tasmania, sorti en 1992 sur Mega Drive. Et on va évidemment jouer sur la console rétro, la console qui émule toutes les consoles disponibles sur le site la-console-retro.fr. Et si cette console ou n'importe quelle autre console de la console rétro vous intéresse, vous pouvez utiliser le magnifique code promo J10 pour avoir une incroyable réduction sur votre commande. Ceci étant placé, on va passer sur la console tout de suite. Attention, transition magique. Yep là, voilà. Alors là, c'est le mode démo. Tac. Mais sur la console, c'est comme ça que ça se passe. On a un magnifique menu. Avec, vous voyez, hein, toutes les consoles qui sont disponibles. Hein, tout est déjà livré, préconfiguré. Ah alors oui, je vais peut-être vous le mettre en plein écran. Voilà, que vous puissiez mieux voir. On passera en 4 tiers quand on passera sur la Mega Drive, puisque... pour rappel, la console était en... Alors attendez, parce qu'il y a un petit problème de son. Voilà. La console était en 4 tiers hein, sur ces consoles-là. Le 16/9e est arrivé que bien plus récemment. C'est parti, passons sur la Mega Drive, passons sur Tasmania tout de suite. Et 4 tiers. Voilà. Jeu qui était néanmoins compliqué. Il est sorti un an après Sonic. Donc on est au début de la Mega Drive, hein, donc en termes de graphisme on n'est pas fifou. Hein. Alors, est-ce qu'on pourrait pas mettre action sur C? Voilà, jump ici et spin là, ça a l'air pas mal. Alors, il y a longtemps, la Tasmanie était gérée par des gros oiseaux de préhistorique de la mer. Ils étaient si gros que leur... Ah, d'accord. Bon bah très bien. Ils avaient des gros œufs, voilà. C'est ça que ça dit. Des œufs, waouh, incroyable, c'est génial. Allons chercher les œufs. Il y a même des légendes qui disent qu'il y a une vallée perdue avec les où il y a encore les gros œufs. Mais c'est peut-être simplement qu'une légende. Hop, et c'est parti. Des œufs. Alors par contre, en termes de bruitage, ce jeu, c'est l'angoisse. Ça permet de cracher du feu, je crois. C'est ça. C'est effectivement ça. Et les bruitages sont horribles parce que à chaque fois qu'on fait un saut, il y a ce bruit là. Ça s'arrête jamais. Alors, je vais peut-être mettre la save state au début. Je crois pas qu'on soit limité par le temps. J'ai pas souvenir qu'on soit limité par le temps. Ah mince, je voulais pas le manger. Ça redonne de la vie ou pas, je sais plus. Oh, oui. Et tous les ennemis font un bruitage aussi. Genre ça là. Ah, j'ai trouvé le bon chemin. Ah, c'était en haut. C'est là, je crois. Je monte sur le... Sur ça. C'est pas ce que je voulais faire. C'est ça que je voulais faire. Pas du tout. C'est ça que je voulais faire. Voilà. Ok. On va y aller tranquille, hein, quand même. Je sais que c'est blindé de bestioles. Ah, j'ai plus de flammes. Aïe! Arrête de me lécher! Stop! C'est fini, oui! Ah. Voilà. J'ai pris un peu cher quand même. Super! On va le faire en speedrun. Attention, attention. Speedrun. Pas du tout. Speedrun quand même. Yes. Alors je me souviens pas du tout si j'ai déjà fini ce jeu. Aucun souvenir.
situer pour l'instant. Non, y'a rien. Ça va, tonton. Ok, c'est ça, je crois. Alors, y'a quand même de l'inertie au niveau de, au niveau des sauts. Et quand on y met un petit... voilà, un petit coup de tornade, ça fait aller plus vite. Voilà. C'est plus invincible ça ou pas? 3 ouais. Caillou. C'était ça. Ça passe. Pas sûr de savoir où je dois aller. Hein. Apparemment, c'est ça. Yes! Il va bien y avoir un boss. Oh, une vie! Incroyable! Alors on peut la jouer comme Sonic, mais je crois pas que ce soit une très bonne idée. Là il y a 3 vies, comment je vais faire pour choper ça? Je peux pas. Quelle arnaque. C'est un vrai pont ça? Souvenez de ça. Je crois qu'il y en a encore un là. Ouais. Non, c'est abusé ça par contre. C'est abusé parce que je le. C'est... je peux pas conserver la. Je pouvais pas conserver la, la toupie. Je crois qu'il y a encore là aussi. Derrière. Là, je me souvenais de ça. Petit truand. La moitié de ma vie. Hein. Ouais, c'est bon, je peux me soigner. Tout va bien. Tidip. Non, par contre, je vais garder ce soin-là. On risque d'en avoir besoin. Quoi? Quelle arnaque! Parfait. Très bien, bah si on peut terminer le jeu aujourd'hui, ça sera très cool. Je me souviens qu'il y a un train de la mine et je me souviens pas si je l'ai passé. Et pour une raison que j'ignore, je me souviens aussi que c'est les niveaux des boss là, comme ceux-là, là, étaient plus fluides. Il me semble qu'il y a un boss à cet endroit-là. Ah là là! Juste sauter dessus en fait. Franck. Gagné! Mais en fait, si c'est logique que les niveaux de boss soient plus fluides. Que tout simplement. Y a moins de trucs à charger. Alors je me souviens que ce niveau là c'est l'enfer. Parce qu'il y a des. On est dans l'usine Acme et que du coup c'est blindé de trucs qui explosent, genre ça là. Ok. Je peux prendre ça. Ah oui.
Voilà, c'était ça. Mais non. J'ai aucun moyen de le faire autrement. Si, comme ça. Salut Nico, comment ça va? La forme? Plutôt... J'ai compris. J'ai compris où est la blague. Comment s'est passée ta semaine? Ça peut passer. Paf. Ah les bruits par contre. Hein. J'ai vraiment cru que j'allais me manger une bombe ou je sais pas quoi là. Mais non. Ça se passe bien, ça se passe bien. Oh la vie. Qu'est-ce qui m'a touché là? La vie. La vie, la vie, la vie. Toujours fauché. En même temps, vu tout l'argent que tu dépenses dans les Lego, les Lego Retour vers le futur et les patchs des différents groupes de métal, je ne peux que le comprendre. Je vais y arriver. Hein. J'ai dit que j'allais y arriver. Pour une fois que j'ai arrivé à se taper une bombe. Très bien trouvé. Je sais plus, je crois qu'il y a des gros machins bien relous ici. Il veut pas attraper. Attrape le truc. Ah voilà. Aïe! C'est bon. Je me suis fait toucher là? Vraiment? Yann Madame Taz, alors est-ce que tu me parles par rapport à moi ou est-ce que tu parles par rapport à au personnage de Taz là? Pourtant je savais hein, qu'il y avait ça. Voilà. L'usine Acme donc c'est blindé de... Pas drôle. C'est blindé de trucs. Au personnage, oui. Il me semble. Enfin, je crois. Je crois qu'on la voit dans le début de le début du niveau. Le début du jeu. Je crois que c'est Madame Tash. Je sais pas si c'est sa sœur ou sa femme. Ça doit être pareil hein, pour lui. Je pense que c'est sensiblement la même chose. Attention, est-ce que c'est un piège? C'est pas un piège. Aïe! Forcément un truc caché. Ah, Davy. Les nordistes. Je suis pas assez bon en géographie pour savoir situer la Tasmanie. Donc à toi de me dire. En fait. Il y a une vie là. Il y a une triple vie même. Yami, yami.
ça c'était un piège, d'accord. Ça aussi, pardon. C'est intégralement des pièges les trucs qui sont là. Ah, ça suit du haut, d'accord. Aïe. Pas grave, c'est un détail. C'est peut-être un détail pour vous. Je sais pas si je peux remonter après. Oui. Quoi? Quoi? J'ai peur. On verra au moins le train de la mine. Je l'espère, vu que je l'avais fait quand j'étais plus jeune. Ce niveau-là, je trouvais ça horrible, ce niveau-là. Parce qu'on est sur de la glace, du coup, l'inertie, elle est constante. Et que si tu tombes dans la flotte, c'est game over, bien évidemment. Game over, c'est tu perds une vie, quoi. Voilà. Oh là là. Voilà ce que je disais par rapport à la glace. Je sais absolument pas ce que je fais. Hein. C'est débile. J'ai aucune idée de ce que je fais. J'ai réussi. Allez, salut. Comme ça. Et on avait deux. Ah, on pouvait encore choper. Attendez. On peut encore choper des trucs. Il y avait un poisson. Le piège Acme, il a reçu une fausse plainte de Will Coyote. Comme quoi le piège fonctionnait pas. Tout comme de Warner. Comment ça? Il y a une vraie société Acme. C'est une vraie anecdote d'un Will Coyote que tu me dis là. Ça me dit rien. Le problème de ce jeu, c'est ça. Hein. Vous voyez, c'est qu'on voit absolument rien. On voit jamais où on met les pieds en fait. C'est le gros problème de ce jeu. On est constamment obligé de jouer avec la caméra pour espérer trouver un truc. Il y avait un checkpoint. Cool. Il a fait un faux mail avec une fausse plainte du coup de com. Ah, c'est rigolo. La mort. En gros, je suis obligé de me manger ce dégât là. Je veux rester en vie. Ok. Aïe. On peut manger ça? Oui, il y a même un truc en dessous. Tu peux aller en dessous? Non, apparemment pas. Et là, c'est quoi? C'est la mort? Oui. Des sauts de la foi tout le temps. Hein. Aïe!
C'est bon. Pauvre coyote. Mais moi j'aimais bien. Tu sais qu'il a un cousin en fait. Hein. Il y en a deux en fait des coyotes. Il y a Willy Coyote qui cherche à attraper. Cherche à attraper Bip Bip. Et il y a. Enfin le Roadrunner en fait. Hein, c'est plus ça son nom. Et il a un cousin qui a un nez rouge. Qui lui mange des moutons. Et il y a eu un jeu d'ailleurs sur ce deuxième personnage. Il s'appelle Une fin de loup. Sorti sur PlayStation. Il y a. Je ne sais plus en quelle année c'est sorti. Une souris verte. Eh salut Bonne Bueno Clams, c'est comme ça qu'on prononce. Les consoles sont bloquées sur les plateformes. Tu sais quand ça va se débloquer, merci. Je comprends pas ta question. Ça veut dire quoi? Les consoles sont bloquées sur les plateformes. C'est quoi ta question? Oui. C'est quoi oui? C'est pour la prononciation de ton nom, c'est ça? Bonne Bueno. Je comprends pas ta question. J'ai commandé. Ah t'as commandé et pour l'instant t'as pas reçu, c'est ça ta question? Alors ouais, j'ai parlé avec la console rétro en début d'année. Ils m'ont expliqué que justement ils avaient eu des retards de livraison de matériel. Il faut pas s'inquiéter, c'est en cours, ça arrive. C'est bloqué, ouais c'est ça. Ça arrive. Pour l'instant j'ai pas eu de nouvelles. J'ai eu les nouvelles, je vous ai dit, en début d'année. Où ils m'ont dit que il y avait des retards de livraison de matériel, mais que ça allait arriver. Voilà. Mais j'ai pas de date, j'ai aucune date. Mais ouais, généralement, ce que j'essaie de faire, comme c'est quand même moi qui suis en frontal avec vous, que je me doute que vous allez poser des questions, je me renseigne un peu sur ce qu'il y a à savoir, s'il y a des nouveaux produits, s'il y a des, faut pas que j'aille là. S'il y a des nouveaux produits, s'il y a des problèmes, s'il y a éventuellement des questions qui risquent d'arriver. Je sais pas où je vais là. Je redescends tout l'arbre là. Ah non mais il y a un boss en fait. Il y avait un boss, je l'avais pas vu. Pas de soucis, merci, mais je t'en prie. Est-ce que tu connais ce jeu Tasmania? Et c'est quelle console tu as pris toi? Et l'idée à la base c'était pour jouer à quel jeu? Parce que j'imagine qu'il y a un jeu qui t'a fait déclencher le truc. T'as pas de date, bah va au Maroc pour en manger. Ah loul. Alors qu'est-ce qui se passe là? Je crois qu'il y a un problème de perspective sur ce niveau. Je me souviens l'avoir fait quand j'étais gamin. Mais je crois que j'avais triché de ouf. Je crois que j'ai fait un truc genre... Ah, attendez. Peut-être récupérer ça. Je crois qu'il y a un problème de perspective sur ce niveau-là. Voilà. C'est que t'as absolument aucune perspective. C'est lui qui se débrouille en fait. Heureusement le jeu est quand même généreux en bouffe. Aussi en bombe. Perfect Dark sur 64. Je comprends. Je comprends, Perfect Dark est réputé pour être un excellent jeu. Juste avant, il est placé juste au-dessus GoldenEye sur 64 également. Même si je ne comprends pas votre affection pour les jeux FPS à la console. Ça j'ai vraiment du mal à piger comment vous pouvez aimer les FPS. En jouant avec ça quoi. Là, ça me perturbe. Alors le fameux train de la mine. De l'angoisse. Il faut connaître par cœur. Voilà. Alors c'est quoi? Faut que je me souvienne des boutons en plus. Il y a un bouton de saut, je crois, ou un bouton d'action. C'est action, je crois. C'est ça. Donc très bien. Il faut être un peu réactif. Ça c'est ce niveau là. Alors instant nostalgique.
Ce niveau-là, c'est un des niveaux sur lequel j'ai passé le plus de temps sur Tasmania sur ma console quand j'étais gamin. Mais c'est également mon premier contact avec le jazz. Je me souviens que la musique de ce niveau m'avait marqué. Et c'est du jazz en fait. Et voilà, je me souviens que j'étais marqué à cause de Tasmania par rapport au jazz. Ah oui, faut sauter après. Comment on saute? Comme ça? J'ai pas trouvé comment on sautait. J'ai plus aucun bouton qui marche. J'ai aucun bouton qui marche. Ah, j'ai ma manette qui s'est déconnectée, autant pour moi. C'est bon. Alors par contre, le bouton de saut. Lui qui comprend pas. Je comprends pas comment on saute. Ah, c'est... en fait, faut accélérer, c'est ça. Ok. Ouais, faut être réactif, hein. Accélération, ralenti. Bref, faut être réactif de ouf, hein, par contre. Donc accélération, saut. Accélération, saut, ralenti. C'est pas du tout débile. Tout va bien, tout va bien. Je sais plus s'il y a des checkpoints ou s'il faut tout faire d'un coup. Shadowman aussi. Celui-là, je le connais pas. J'en ai entendu parler de Shadowman, mais je connais pas. Ah, attendez, on va juste vérifier. Je crois qu'il faut tout faire d'une traite en plus. C'est ça, ce qui rend le truc littéralement pas faisable. Il faut le connaître par cœur et tu perds une vie à chaque fois, quoi. Heureusement, maintenant on va tricher. Le but là, ça va être vraiment de voir la fin du jeu, quoi. Voilà. Boop, 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 boop. Tu peux me parler un peu de Shadowman? Que je sache, parce que c'est un nom que j'ai déjà entendu plusieurs fois. Mais ce jeu là, j'en ai vraiment rien vu en fait. Je sais même pas s'il est sur la console en vrai. Je sais pas si je l'ai. C'est vrai que la 64 c'est pas une console de mon enfant. J'étais déjà vieux quand la 64 est sortie. Peut-être fouiller autre part. Ah bah je peux pas fouiller autre part. C'est donc forcément là. Hitbox, hein, par contre. Ah, quand même. Je peux pas descendre plus bas. C'était juste un piège, d'accord. Eh ben merci. Ah ouais, c'est ça. Paf. La console rétro avec tous les jeux liés. Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que, à mon avis... Alors, ça, j'ai pas l'information sur ce truc-là. Mais à mon avis, les jeux évoluent régulièrement sur les plateformes. Donc peut-être qu'ils en ajoutent. Ils doivent en ajouter, ils doivent en retirer. Donc je ne sais pas. C'était un piège. Je pourrais pas te dire. Mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que de toute façon, on peut rajouter des jeux s'il y a besoin. Ça, c'est sûr. Je l'ai déjà fait. J'ai remplacé des jeux, j'ai changé des jeux. J'en ai rajouté. Donc ouais, ça se fait, c'est pas un problème.
Ah. C'est un piège, c'est obligé. Intéressant. Donc un niveau de labyrinthe. Ha ! Il était pas prêt pour ça. Mais ça aussi c'est un piège. C'est où la sortie ? J'en viens de là, non? Ah, faut peut-être que j'aille plus haut. Pour aller plus haut. C'est peut-être là. Et non, c'est trap. Mais alors, attendez, je comprends pas. Parce que du coup, il me semble avoir fait tous les chemins là, non? Là, il y avait une bombe. Il y avait une bombe et une chauve-souris. Donc ça, tout ça, j'ai fait. Comment on s'en va de cet enfer ? Ah, ou alors c'est en bas. Bah non, je reviens d'en bas. En plus, j'ai trouvé un checkpoint là-haut, donc forcément. Forcément, c'est par là. Je trouve un checkpoint là. Donc, inévitablement, je suis sur le bon chemin. C'est ça. Mais non, mais j'en viens de là, non? Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Qu'est quoi? Salut Jérôme, comment ça va? Je suis bloqué. Ah, ou alors c'est là-haut. Ça, j'ai fait déjà. Mais non, mais j'ai déjà fait en haut aussi. Et là, j'en viens de là. À moins que ça soit encore plus haut. Je peux pas aller plus haut. Je comprends pas. Et ça, c'est le début du niveau. Je comprends pas. J'ai fait tous les chemins possibles là. Pourquoi je suis encore là? C'était pas là, donc ça, c'est à gauche. Après il y a ça, ok. Hop. Après ça en haut. Si peut-être en haut. Non mais j'ai été voir, là il y avait un poulet et là il y a un piège. Donc hop. Mais là il devait y avoir un ascenseur avant. De mourir. Je vais revenir au checkpoint. Comme ça au moins je sais que j'ai avancé. Très bien. Oh ! Quelle arnaque ! Comment je fais pour deviner ça ? Horrible. En plus c'est injouable. C'est débile. Je chope par chance. Oui, d'accord. Eh ben génial alors, c'est parti pour la chance. C'est la chance.
Ça aussi la chance, hein. Tu m'étonnes que je l'ai pas fini ce jeu quand j'étais gamin. Ça va tranquillement, c'est le week-end, c'est cool. C'est sur quelle plateforme le jeu? Il s'agit de Tasmania sur Mega Drive, sorti en 92. Et il n'est pas considéré comme un très bon jeu. Je pense que tu peux comprendre aisément pourquoi. Pour plein de raisons. Mais il a le mérite au moins de... D'accord, ça c'était un piège. Il a le mérite au moins de m'avoir fait découvrir le jazz. Je peux y arriver. Je peux y arriver. Je sais comment je vais y arriver, mais... Vous avez dit que j'allais y arriver. Il va y avoir un truc de chance, c'est ça? Évidemment. Le timing. La débilité. Oh là là. Piège. Pas du tout. Ah mince. Ah c'est en haut qu'il faut que j'aille. Il a glissé. Allez, c'est la dernière. Ah, c'est bon. J'ai sauté trop tôt. Ah, c'est bon. Ce coup-ci, là, je peux pas faire... Ah, quand même. Alors. Merci pour ce mouvement. Ah ouais, d'accord. Et tu crois pas qu'ils auraient pu mettre un checkpoint là, là? Je sais pas si vous vous rendez compte de la débilité du truc, hein. Comme on est censé... Voilà, regardez le mouvement horrible de cet ascenseur. Comment t'es censé anticiper ça, quoi? Alléluia. Je vais pas jouer à celui-là, je connais peut-être. Je peux pas t'aider, mais je peux regarder. Je peux te regarder subir. Un vrai kiff. C'est gentil. Je crois. Merci. Il y a eu une suite à ce jeu. Sachez-le. Mais je crois que la suite est meilleure. En tout cas, je me souviens avoir joué à la suite et que j'avais bien aimé. J'avais bien aimé la suite. Voilà. Un niveau horrible. Parce qu'il y a aucune gestion de... Il y a aucune gestion des perspectives. Il y a aucune gestion des perspectives. Voilà, là je rebondis dans la flotte, on sait pas pourquoi. Là je suis passé au travers de la plateforme. Ça, ces niveaux-là, c'est les pires. C'est les pires. Encore vivant. YOLO. Surtout à l'époque, pas de sauvegarde, une vraie surprise. Un vrai supplice, oui. J'ai même pas le souvenir d'être arrivé sur ce niveau-là. Je me souviens que le truc de la gestion des perspectives,
C'était déjà une galère. Voilà. Oh, je suis passé. C'était déjà une galère quand je l'avais fait, mais je me souviens pas si j'ai été jusque là. Vous voyez là tout le chemin qu'il a fait alors qu'il aurait pu juste passer dans la forêt. Mais non, faut qu'il fasse tout le tour. No weed. Ça m'a enlevé de la vie. No weed, hein, j'ai enlevé. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, y'a un boss! Bonjour, monsieur le boss! Aïe! Ça va, les boss sont pas ultra durs. Heureusement. Je sais pas si on aura le temps de voir la suite. Alors ce niveau me dit rien du tout. Je crois pas être. Voilà, je crois pas être déjà venu ici. On va y aller prudemment. La bouffe. Il y a un checkpoint là. D'accord. Ah mais si, je peux faire ça. Voilà, tout simplement. Est-ce qu'il n'y a pas des vies qui sont planquées genre là? Non, ça me fait revenir au début du niveau. Il est pas très drôle. On peut aller au-dessus. Aïe, oui. Ok, mais je suis obligé de me prendre le dégât du coup. Ah, t'as vu, c'est moi. Il y a ma tête là. Un gros raccourci. Peut cracher des flammes lui ou pas? On voit le lance-flamme mais. On va y aller doucement. Oh là là! Je fais gaffe, des fois ils me mettent des. Voilà. Des trucs juste en dessous. Il y a le checkpoint là. Comment j'y vais? Par là. Ah, c'est un piège, d'accord. Voilà le checkpoint. Yeah! Ah, c'est bon. Ah. Comment va-t-on? Je crois que je peux passer en dessous. Probablement ce qu'il faut faire d'ailleurs. J'étais presque. Oh là là, c'est trop gentil. Merci Jérôme pour le like. Et...
crois pas pouvoir aller là-haut. Ah, la bombe. Parfait. Alors, je peux pas m'en débarrasser de ça. Oh, mais je vais beaucoup trop vite, par contre. Faudrait que j'essaie de trouver un checkpoint aussi, tant qu'à faire. Est-ce que c'est évitable? En fait, on sait même pas qu'il y a la tête de flamme, donc évitable, oui et non, quoi. Oh non, la bouffe! Voilà, la bouffe, je prends. Avoir vu une souris, mais non. Alors ça va être inévitable. Je sais pas comment je l'ai évité, mais... C'est bon. Ah, le checkpoint, oui. Merci. Je m'en doutais un petit peu, à vrai dire. Pas sûr d'avoir pris le bon chemin, mais on va dire que oui. C'est quoi ça? Ah, c'est un arbre. Vraiment que je fasse ce saut là? Non. Apparemment si. Comment je vais faire? Je peux même pas. Je peux même pas le faire ce saut. Ah, parce qu'il faut pas le faire en fait, tout simplement, d'accord. Yes! Est-ce que c'est la fin? Ou est-ce qu'il va revenir sur le continent pour retourner dans la... Pour retourner dans la glace? On l'a déjà fait ça, non? Ça a l'air d'être le même niveau. Ça a l'air d'être complètement le même niveau. D'autant qu'il y a le même checkpoint au même endroit. Est-ce que j'ai oublié un truc? Il fallait que je trouve l'œuf. Checkpoint, ok. Là, il y avait de la bouffe, et c'est pas là. Ça doit pas être le même. Je peux pas aller là non plus. C'est étrange. Je peux pas monter. Pas aller là. Là, il y a lui qui me crame la rondelle. Je peux pas aller là. Je peux pas aller là. Là, tout ça c'est bloqué. Là, il y avait le checkpoint, mais tout est bloqué. Là, je peux pas aller. Ah, je peux aller là. Ah ouais, c'est ça en fait. Bizarre, le niveau il ressemble beaucoup quand même. Hein. J'ai l'impression de faire deux fois le même niveau. Aïe.
J'essaye des trucs, hein. C'est le même niveau que tout à l'heure, hein. Je rêve pas là. Ils ont vraiment fait ça dans le jeu, ils ont mis deux fois le même niveau coup sur coup. C'est bizarre, non? Avec le même ennemi. Oh, c'est étrange. Ah, le piège. Ah, je suis mort. Je suis mort et il y avait le checkpoint qui était à côté. Je peux pas sortir de ça. Et où le checkpoint là du coup? Pas grave, c'est un détail. Ah là là. Peut-être t'as oublié un truc qui fait que t'as pas passé le niveau. Ça se tient, mais je vois pas quoi, puisque ça serait inédit du coup dans le jeu. Jusqu'à présent, le seul truc qu'il y avait à faire, c'est aller au bout du niveau, passer le... Des fois, il y a un boss à tuer, mais... Mais c'est vraiment aller au bout du niveau, quoi. Et aller là où il y a le panneau avec l'œuf, quoi. Et là, je suis câble. C'est pas la même sortie. Aïe. Ah là là, mais c'est dingue. En fait, je peux pas passer parce que je me mange le mur. Je peux pas faire ça non plus. J'ai réussi, je sais pas comment, mais ok. Du coup, je peux aller là maintenant. Et alors là, il y a peut-être plusieurs solutions. Je vais là. Il y a un truc à récupérer là. Aïe. Des vies peut-être. Oh oh. Il y a un autre boss. D'ailleurs, je crois pas que j'étais contre ce boss là. J'ai peut-être été autre part. Mais ça, c'est sûr que je l'ai pas fait ce niveau-là. Ça me dit absolument rien. Ah bah voilà, j'ai gagné, c'est bon. Aïe. C'est le boss de fin. Je me bats contre un goéland, quoi. Qui visiblement a pas de... Ah si, je pense que c'est ça. Ça doit être sur son bec. Aïe! Mais des coups de patte! En fait, c'est juste ça. Voilà. Ah mince! Ça t'y part. D'accord, donc je peux pas faire ça. Raté.
Ah mince. C'est bon, j'ai gagné. Je pense que c'est la fin du jeu. Ah ouais. Asie end quoi. Ah. Eh ben j'avais jamais vu la fin. Et j'étais jamais arrivé jusque là. Puisque puisque je perdais toutes mes vies sur le train de la mine quoi. Et qui est totalement délirant. Heureusement, grâce à la magie des safe states, désormais, on peut faire. Je vais mettre la suite, du coup. Alors la suite, je crois que c'est sorti beaucoup plus tard, puisque il me semble que c'est sorti vers la fin de la console. La fin de vie de la console, donc ça doit être en 96 ou 97 par là. C'est celui-là. 94, ah bah, complètement de la des bêtises. Vraiment, j'ai tout ça pour ça, comme à chaque fois. Hein. Tomb Raider, rappelle-toi, Tomb Raider. Tomb Raider, 24 heures, on a fait. 24 heures de live, on a fait. Puisqu'on a fait 12 lives de 2 heures. Pour au final avoir quoi? Une explosion d'un temple. Et Lara Croft qui monte dans un bateau. Alors que rien de tout ceci n'aurait pu avoir lieu, quoi. Elle se barre même pas avec une relique, elle a juste détruit un temple. On a l'habitude que tu dises des bêtises. C'est ma marque de fabrique. Hein. Il y a 70% de conneries et 30% de vérité. Quoi. Le pire pour moi, c'est Fantasia. J'ai jamais joué à Fantasia. J'ai eu cette chance de ne pas avoir joué à Fantasia. Heureusement. Celui-là, je me souviens pas l'avoir fini non plus. Les jetages, ils étaient pas faciles. Hein. Mais ils ont enlevé. Alors, ils ont dans ce jeu, je me souviens que j'avais préféré parce que déjà, de 1, graphiquement, il est carrément meilleur. Et aussi, en termes de gameplay, ils ont ajouté des éléments de contrôle sur Taz qui en font un jeu beaucoup plus fun. C'est plus proche de Sonic pour le coup. En tout cas, c'est comme ça que j'ai ressenti le truc. Alors, ah ouais, par contre, j'ai pas du tout regardé les. On va reset. J'ai pas regardé les options. Ce qui est une erreur. Parce que j'aimerais bien contrôler les. Au moins choisir les contrôles. Voilà. Action sur C, jump sur B, spin sur A, C. Ok, c'est good. C'est parti, let's go. Vous voyez qu'en termes de rapidité, c'est pas la même non plus. Hein. Et il y a cette nouvelle mécanique qui est très drôle. Donc là, on peut rebondir sur les trucs. Il y a celle-là et il y en a une autre aussi. Je sais pas si on va pouvoir l'avoir tout de suite. Je peux cracher des cailloux, hein. ça bouge pas. Il y avait déjà. J'ai détruit un truc. Qu'est-ce que j'ai détruit? Il y avait de la bouffe. On va détruire la bouffe quand même, on va pas faire ça. Allez, je vais essayer de faire le truc correctement pour vous montrer au moins. La bouffe! Ah, la bouffe. Bref, c'était pas cette mécanique que je voulais vous montrer.
Est-ce que je vais pouvoir le faire d'ailleurs? C'est peut-être dans le niveau d'après. Ah non! La vie! J'ai envie de rester full life. Ah, il va un petit peu trop vite. Assez difficile à contrôler. Hein. Martien, je quitte son perso. Comment il s'appelle? Marvin, je crois. Marvin le Martien. Ah voilà, ça y est. Elle est là, la mécanique. Alors vous allez voir ça. Je crois. Maintenant. Pas du tout. Qu'est-ce que j'ai détruit là? Ah, c'était un ennemi. Il y a par exemple celle-là. Ah, c'était pas celle-là que je pensais, mais il y a effectivement celle-là. Déjà très drôle. Qu'on a également dans Titi et Grominet. Ah, oh, c'est pas ça que je voulais faire. Je peux pas remonter. J'aimerais bien vous montrer quand même. Ce qu'il y a au-dessus. Je crois qu'il y a un... Je crois qu'il y a des trucs. Faut se dépêcher. Je peux pas tourner quand je suis en gros taz. Ah! Pas possible, je joue correctement. Par pitié. J'arrive pas. En fait, on peut peut-être pas. Je me souviens plus s'il y avait un truc là-haut. Mais bref, il y a cette mécanique là et il y a une mécanique à la Sonic. Ah, il y avait un pétard dans le gâteau d'anniversaire. Quel dommage. Ça change de Star Wars. J'avais bien aimé les Tiny Toons sur Super Nintendo. Je sais pas si tu l'avais fini dedans. Il y a Tales aussi. Alors, ça me dit un truc. Tu me l'avais déjà suggéré, non, Tiny Toons? Mais non, je l'ai pas fini parce que... Ah voilà, la mécanique que je voulais vous montrer. Je l'ai pas fini parce que c'était sur Super Nintendo et que j'ai pas eu la Super Nintendo. Regardez cette mécanique incroyable. Hop là. Magnifique. Donc il y a vraiment ce gameplay... C'était quoi ça? Il y a ce gameplay à la Sonic. Il y a un truc là. Essence. Okay. Je peux les tuer ces machins là. Voilà. L'autre côté, voilà, c'est mieux. Il y avait un truc de soin, mais j'ai pas trouvé. Tails en mode Super Saiyan. Tails en mode Super Saiyan, quoi? J'ai pas compris. Dans les Teen Toons, il peut y avoir. Attends, mais comment c'est possible? Ah mais d'accord, déjà c'est Taz en fait, c'est ça. Ok. Et il peut se transformer en Super Saiyan dans les Tiny Toons. Bon, alors le problème de cette phase là, c'est que du coup c'est de la plateforme, mais que à cause de l'inertie du perso, c'est ingérable. La phase de plateforme là, elle est horrible. Vaut mieux passer comme ça en fait. Du coup tu joues plus souvent comme Sonic plutôt que comme un vrai jeu de plateforme. Le personnage est trop rapide, il est trop nerveux pour jouer correctement. Voilà. Je vous dis hein, la mécanique Sonic.
Je vais mourir. Critique pas ton inertie. Il critique pas ton inertie lui, donc tu le critiques pas. Il me critique mon inertie hein. Il est capable hein. Il est capable parce que si je touche à aucun bouton, il s'énerve. Donc si si, il me critique mon inertie, j'ai le droit. Par contre le jeu est assez rare en vie, en santé, etc. Là. Il y avait plus de générosité dans le précédent jeu. Voilà, je suis obligé de me prendre ce dégât parce que à cause de son inertie, il tombe. Juste devant le checkpoint, vraiment ? Oui. LOL. Y'a un passage secret là. Mais non. Je voudrais voir le passage secret. La bouffe. Ah oui, de la bouffe. D'accord, c'est pas assez écarté. Ah, c'est bon. Par rapport à Sonic, imagine Tails en mode Super Saiyan. C'est quoi Thaïs? T-A-Y-S. Parce que quand t'écris ça, moi je pense à Tails. Et Tails en Super Saiyan, il existe. Mais sinon, si c'est Taz, le personnage que je contrôle là, c'est T-A-Z. Juste T-A-Z, comme Ecstasy. Taz. Et pipou. Parce que Tails en Super Saiyan, il existe dans Sonic 3 avec Knuckles. Aïe. Oublions, on fait le bruit d'une voiture. Ou d'une perceuse, à savoir. Ou alors j'utilise pas souvent des perceuses, c'est une possibilité aussi. Il y a l'exit. Ah oui, c'est vrai que l'exit, alors. Est-ce qu'il y a un passage secret? Non. L'exit, pour pouvoir sortir, faut manger le panneau. Voilà. Lui aussi il est tout le temps fond d'état, c'est pour ça qu'il dit tout le temps qu'il a la dalle. Ça je sais pas, hein. c'est toi l'expert. Hein. Comment on lui met des dégâts lui? Ah! Ah! Paf! Je suis bloqué. Je t'ai bloqué dans le mur. Vous le savez, hein, s'il y a un bug dans un jeu, je le trouve. Hein. Vous savez que c'est comme ça que ça marche. Concentration. Et voilà. Imagine un concours de bouffe entre Taz, Samy de Scooby-Doo et Son Goku. Oh la vache. Effectivement. Je savais pas que
Ça, ils étaient aussi en Super Saiyan dans le 3. Ouais, Tails. Effectivement, Tails, il y a un super Tails qui existe quand tu chopes les. Alors, je sais plus s'il y en a 6 ou 7. 7, il me semble. Quand tu chopes les 7 émeraudes, ensuite tu débloques rien. Et à la fin, tu peux débloquer avec les 7 émeraudes maîtresses. Donc, il te faut les 7 émeraudes d'abord et ensuite les 7 émeraudes maîtresses pour débloquer Super Tails. Et il y a un Hyper Sonic dans ce même jeu. Je me souviens pas être allé déjà jusqu'ici dans ce jeu. Sur le Tales, le Taz Escape from Mars, qui est le jeu auquel on est en train de jouer là. Je me souviens avoir fait le premier boss. Et le premier boss me rappelle un truc. Mais je sais pas si je l'ai déjà tué le premier boss. Même si cette musique, elle me parle. On a toujours cette problématique de on voit pas ce qui se passe devant nous. On peut manger ça. Oh, ça me rappelle un truc ça. Je peux plus rien manger, d'accord. C'est le fun. Par contre, je peux encore prendre des dégâts. Je peux plus rien tuer, mais je peux encore prendre des dégâts. On va donc pas manger ce truc. Samy, il bouffe des tas de burgers d'un coup, c'est vrai. Et des Scooby Snacks aussi. Très bizarre. Mais il adore manger des Scooby Snacks. À ce propos, est-ce que vous avez vu la dernière série Velma? Où ils ont transformé Velma en indienne. Samy, il s'appelle plus Samy, il s'appelle plus Shaggy, il s'appelle je sais plus quoi, Stuart, je crois, un truc comme ça. Et il est devenu noir. Et c'est une série qui est extrêmement raciste. Voilà. Pour une raison qui me dépasse. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai juste lu les critiques. Et apparemment, c'est extrêmement raciste. Et du coup, je suis bloqué là. Ah, je me souviens. C'est vrai qu'il y avait cette mécanique aussi. On peut creuser. J'avais oublié. Pas aller là. Normalement, on peut monter encore. Il y a un checkpoint là-bas. Non? Ah oui. Ah ouais, j'aurais pu tricher dès le début. Apparemment. Son Goku habite d'énergie, c'est un tueur. Son Goku, de toute façon, c'est un des persos les plus forts de la pop culture, hein, si je me souviens bien. Pas sûr de où je vais là. Probablement pas. Salut Melka, comment ça va? Ça a l'air cool comme jeu, c'est sur quelle console? Il s'agit de Taz Escape from Mars sur Mega Drive. Sorti en 94. Et c'est sympa, mais c'est vraiment pas évident. Il a des mécaniques cool hein, par rapport à celui qu'on a fait juste avant. Il y a un jeu de plateforme relativement basique. D'avant, il a rien de très compliqué. Enfin, je vais peut-être pas refaire tout le tour. Je peux pas tricher. Partir directement. Partir directement là-bas. Je peux pas remonter ici, donc non. Il y a peut-être un autre endroit où je peux remonter. Ah non, je suis bloqué là. Sapristi.
Ah, je suis obligé de le faire vraiment du coup. Je suis obligé de faire ce saut. C'est moche. Le plus fort, c'est l'éléphant ou l'hippopotame. Alors, j'ai pas cette référence. Tu me dis la cité de la peur, mais je vois pas. Ah, mais si, c'est. C'est Simon qui dit ça. A ton avis, tu crois, c'est quoi le plus fort, l'éléphant ou l'hippopotame? On peut se tutoyer? Ta gueule. C'est une référence. Ne vous inquiétez pas. Je vais réussir, hein. Voilà. Ouais, faut que je reparte de là, quoi. J'ai bien compris. Pour refaire toutes les plateformes. J'aurais dû me débarrasser de la bombe et du gâteau là. Parce que visiblement je suis obligé de revenir. Mais non! Je veux pas de ce truc! Je vais me débarrasser de ça, voilà, comme ça ce sera fait. J'ai revu le film récemment mais j'ai pas la ref. Quand ils arrivent à l'hôtel, si je ne dis pas de bêtises. C'est au moment de la réservation. Au moment de la réservation du resto. Ça. Je crois, hein. Que quelqu'un peut confirmer. Je peux pas passer en dessous, je suis obligé de passer en dessous. Alors là, l'avantage c'est qu'on peut un peu contrôler la caméra. Aïe. Un peu. Alors, c'est ici qu'il faut absolument pas se planter. Voilà. Il y a un checkpoint. Là. Très bien. Je crois, les gencives de porc, c'est avant. C'est juste avant les gencives de porc, justement, il me semble. Je peux pas descendre parce que je suis trop petit, d'accord. Bah, même dans les jeux, je me fais insulter en disant que je suis trop petit. Bah, sympa, merci. Je sais même pas où je suis, là. Mais oui, effectivement, il dit qu'est-ce que tu veux manger? Des gencives de porc. Où est-ce qu'on peut trouver de bonnes gencives de porc? Je me souviens plus du nom du resto. C'est les meilleures gencives de porc du littoral. Ah là 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 là! Il reste plus beaucoup de vie. Ça commence à devenir dangereux. Ah, exit. Oui. Exit juste avant de mourir, c'est bien. C'est quoi cette musique? Ah si, je me souviens de ça. Je me souviens. Il y a le même genre de galère dans Kid Caméléon. Vous voulez vraiment que je vous remontre Kid Caméléon encore? Aïe! Aïe! Sapristi! Il me reste que 3 points de vie! Il m'a fait toucher, c'est mort. Est-ce que c'est possible à votre avis? Techniquement, je veux dire. Ça a l'air compliqué hein, quand même. Franchement je vois pas là. Si je mets de l'inertie,
pas que j'en mette beaucoup. Oh, je suis passé. Il faut de la vie, hein, ça devient important. Mais j'ai pas le temps de... Oh, il y avait une vie là-haut. Non, ça continue. Mort. Ok, faut faire un choix. Soit rester en vie, soit prendre le continu. Faut le faire. Allez, monte! Monte! Dieu bête! Mais mange! Mais qui quoi? Qu'est-ce que tu veux me dire? Tu es du meuf! Sapristi. Mais monte! C'est dingue! Pas possible d'être aussi mauvais! Bon. J'ai appris il y a peu que il devait y avoir une émission Les Inconnus avec les nuls et les inconnus réunis. C'est pas fait à cause des emplois du temps de chacun. C'est Légitimus qui a révélé ça en interview. Ça aurait été culte. Et ben peut-être pas, en fait. Merci Smayaral pour le like, bienvenue sur le live. J'espère que tu vas bien, que t'as passé une bonne journée. Bon. Vraiment que j'arrive mieux à gérer ce mouvement là. Ah voilà. Il voulait pas manger le panneau exit. Je sais pas si ça aurait été Après il faut que leurs humours ils collent. Tu vois ce que je veux dire. Oh là là. Essayer au moins de faire ce boss là. Est-ce que c'est évitable? Je suis obligé de prendre le dégât. J'ai de prendre le dégât. Est-ce qu'il n'y a pas de l'abus? Si, peut-être. Aïe. Ce dégât qui est visiblement inévitable. Inévitable. Hein. Ou alors, non, bah non. J'allais dire, ou alors je me mets au-dessus, mais je peux pas. C'est inévitable et je peux pas lui mettre le dégât en plus. C'est dingue, je suis obligé de me prendre un dégât sur ce truc-là. Le jeu est pas prévu pour que tu puisses esquiver quoi que ce soit. Aïe. Là je prends ce dégât parce que pas d'autre solution. La même de l'autre côté. Voilà. Voilà. Vous vous rendez compte? Du coup j'ai pas de vie. Il me reste zéro vie. Pour tuer ce boss là, on est obligé d'être à la limite de la vie. C'est ouf. C'est des dingues.
Bon, y a des piquants partout, hein. Ah, le jeu est une purge, hein. Il est pire que le premier en fait. Les mécaniques sont plus fun, mais il est plus galère que le premier. Parce que les trucs qui te redonnent de la vie, il y en a pas. Des piques, il y en a partout. Les plateformes, elles sont pires. L'inertie du personnage, elle est horrible. Voilà. Pareil que le premier truc que je déglingue, en plus, c'est un... Même pas, c'est une bombe, en plus. Ah, je suis dit, je peux peut-être aller là. Et merci Stanley Séjour pour le like. Bienvenue sur le live. J'espère que tu vas bien. Bon, je me fais tuer par je sais pas quoi. Partout, à peu près. Bon. C'est de la vie. Donne du soin. Oh oui, je suis quasi full life. C'est très très bien ça. Ça, c'est moins cool par contre. Je suis venu ici juste pour chercher de la vie. Donc en gros, tu passes tout ce truc là où tu perds la moitié de ta vie pour récupérer la moitié de ta vie. Merci. Merci les gars. C'est sympa. C'est vraiment très intéressant. Où est-ce que je peux aller? Là? Ah non, j'en reviens. Aïe. Là? Aïe. Ah non, j'en reviens aussi. C'est où la sortie là? Il y a de la vie ici, donc s'il y a de la vie là. C'est-à-dire qu'il faut que j'aille à droite, mais je peux pas. Là, il y a des piquants. Ah là. C'est ça. Parce que c'est que ce truc, mais ça a l'air d'être une saleté. Est-ce que c'est comme la flotte de Sonic? Non! Je veux la santé! Mais c'est qu'est-ce qui veut? C'est impossible. Ah, oh, quel fun! J'ai réussi! Il y a le checkpoint là-haut. Ah bah c'est la même cascade que dans Sonic. C'est-à-dire que c'est une cascade infinie. C'est-à-dire que tant que j'ai pas réussi à faire le saut, je vais errer dans cette cascade jusqu'à la fin des temps. Aïe. Aïe. Qu'est-ce qui m'a touché? Je peux pas sauter sur ça là? Quoi? Ah, c'est sur ça. Je peux pas sauter sur ça? Quoi? Ah! Incroyable! La mécanique de Fifou. Aïe. Paf. Yamete. Ok, c'est bon. Je l'ai trouvé. Là. Pas du tout. Est-ce que c'est comme dans Sonic? Non. La mécanique, elle est pas comme dans Sonic. Je sais pas quand est-ce qu'on doit sauter, mais c'est pas comme dans Sonic. Je peux pas sortir. Je suis quand même obligé d'aller là.
Ça va être long. Ça va être très très long. Ça non, ça non, ça oui. Je peux pas me barrer. Ça veut donc dire que il y a un autre chemin. Ça doit être ça là. Ça doit être le... Aïe. Là où il y a le piquant. Ça doit être ça. Faut que je fasse... Faut que je fasse les plateformes. La partie plateforme de ce truc là. Obligatoire. Quoi? Quel abus! J'étais dessus! J'en ai pas marre du tout. Voyez comme je m'amuse. Non mais je suis sur la plateforme. C'est elle qui me fait tomber. Ah oui. Donc tac. Et attention. Abracadabra. J'imagine que là aussi j'ai pas le droit de me foirer au niveau de la plateforme. C'est pas du tout un supplice. Allez, salut! Oh là là, c'est pas possible ça. Il y a une vie là. Par contre le jeu est extrêmement rare en vie, en santé, tout ça. Le jeu est globalement très très radant quoi. Ça met une grosse difficulté et il est extrêmement radant. Est-ce que ça a un quelconque intérêt? Pas l'intérêt. Mais c'est le début du niveau. Bah, elle est là du coup. Ça pour manger un jambon, vraiment. On peut pas le tuer lui. On peut même pas sauter sur sa tête. Apparemment pas. C'est pas possible. J'essaye hein, mais c'est une galère. Ça pour faire quoi? Je sais même pas ce que ça a fait là. Ça se trouve je pouvais aller là. Aïe. Quoi l'intérêt d'aller là?
Bon, rendez compte que je fais tout ça juste pour récupérer de la santé, hein. Et qu'on n'a toujours pas trouvé l'endroit où vraiment faut aller, hein. C'est quoi ça? Il y a un ennemi juste. Là, il y a de la vie. Par contre, là, si je vais là, je peux pas revenir. C'est forcément ça. Tac, c'est forcément là. Je jure que je saute, hein, mais la maniabilité, elle est désastreuse. Forcément un truc là. Y a rien du tout. C'était juste pour récupérer de la santé que je suis allé là. Bah super. Je peux pas le tuer, je peux rien faire. C'est pas du tout stressant comme jeu. Oh là là! Et quel est l'intérêt? Faut cracher du feu maintenant. Je peux pas cracher du feu. J'ai mangé un truc de gaz pour pouvoir cracher du feu, mais il veut pas cracher du feu. Et bah génial. C'est forcément au-dessus. S'il y a cette plateforme, c'est qu'elle sert à quelque chose. Je m'amuse, c'est un jeu vidéo, c'est drôle, c'est rigolo, on s'amuse. Pensée positive. Oh! Quoi ça? C'est là le checkpoint. C'est le truc qui est rigolo, c'est que j'ai pas du tout l'impression de progresser en plus. J'ai l'impression de me taper des cascades infinies et qu'il y a probablement un saut que je dois faire quelque part. Mais je sais pas où. Que je me fais violenter par des tentacules, comme dans un hentai. Tout ça pour faire un saut quelque part, on sait pas où. C'est la mort. Paf. C'est un jeu fun et amusant. D'accord. C'est là. Oh là là, qu'est-ce que je m'amuse. C'est dingue, tant d'amusement. Allez vite, j'ai hâte que ça s'arrête. Je me fais détruire par 100% des ennemis qui sont présents. Tout est normal, tout va bien. Aïe! Comment il me touche là?
Je passe un agréable moment, un agréable moment. Je suis dans ma grotte, pense à ton animal totem. Glisse avec lui. Si on mangeait ça, tiens. Allez, salut! Comment ça me touche? Ça peut pas me toucher, je suis pas dessus! Ça aussi, là! Oh là, ça me fait penser à Echo le Dauphin, tellement je m'amuse. C'est là? C'est bizarre ce passage. Aïe. Je vais bien trouver hein. Un moment comment on sort de ce jeu. De ce niveau. J'ai l'impression de passer 1000 fois aux mêmes endroits. Mais tout va bien. Checkpoint. Magnifique. Aïe. Ça veut dire qu'il y a quand même eu une progression s'il y a eu un checkpoint. Aïe. Par contre, ils mettent deux checkpoints côte à côte. Boss. Est-ce que je lui mets des dégâts? Jamais. Il est invincible. C'est où les dégâts? Quand est-ce que tu prends des dégâts toi? Ah! Pas que je me fasse toucher quoi. Le problème c'est quand je le tape, je me prends en dégâts. Chaque fois que je le tape, je me prends un dégât. Du coup, j'ai perdu. Chaque fois que je le touche. Hein.
Bah du coup c'est sa tête direct. Forcément obligé de gagner. Voilà. Faut pas me mettre un dégât si c'est ce dégât que je dois lui mettre. Ok. Le jeu pas bugué où je marche au-dessus du sol. Tout va bien. Ah bah tiens, le vla bip bip. Il y a le coyote aussi qui m'a mis un dégât. Sympa le gars. Ah là là. Mon jambon. Voilà. Ça redonne pas beaucoup de vie, mais le jeu est tellement rare en bouffe que c'est important. J'ai sauté, je vous jure que c'est vrai. Ok. J'ai jamais vu ce niveau-là. C'est inédit là pour moi. C'est très long. Les niveaux sont bien trop longs. Je m'en sors pas si mal en vrai. Celui-là. On sort plus facilement sur celui-là que sur les niveaux dans l'espace là. Et voilà. Ouais, ce niveau-là, c'était presque le niveau le plus facile. Hein. Eh bien, je me fais agresser dès le début. Ah, y a aucun stress. Hein. Par contre, je peux pas agresser ça, je peux pas aller là, je peux pas aller là. Comment je suis censé faire là? Je peux rien faire. Je peux pas creuser. Comment j'ai fait ça? Avec le bouton haut, je crois. Agressif, hein, le niveau. Waouh, trop gentil, il m'a filé une vie le jeu. Ça c'est sympa. Je peux pas sortir. Il y a le rat qui est juste devant là. Abusé. Les gars, vous avez testé votre jeu quand même. Tant pis, on va tricher.
marche aussi en trichant. Speedrun! Gotta go fast! Ah, bien joué ça! Parfait! Mais non! Voilà, au moins on récupère un petit peu de vie. Vie que j'ai perdue immédiatement. Tellement mort, me fait toucher par le moindre truc. Voilà. Est-ce qu'il est revenu le truc ? Cracher du feu avec ça, ouais. Il faut de la santé là, hein. Ça devient urgent. De la santé. À quoi ça sert de venir ici? Je comprends pas l'intérêt de ce truc là. Pas remonter, d'accord. Faut pas, surtout pas casser les pots de fleurs, sinon c'est game over. Ah, de la vie. C'est abusé, hein, tu peux pas te soigner, t'as un truc qui vient te larguer une dynamite dans la tronche. C'est complètement abusé, mais... Ah, je dois pouvoir monter, je pense. Yes. Ça sert à rien. Okay. C'est quoi, c'est un continu, c'est une vie? J'ai pas fait gaffe. Continue. Allez, je termine ce niveau et on s'arrête là. Je dirais que je suis au début du jeu. C'est pas là qu'on était tout à l'heure. C'est pas le genre le début du jeu du niveau ça. Je peux au moins le tuer lui. Stadium, bullfight. Voilà. Ah, c'était dur. C'est un boss. Besoin de boss. Et puis on s'arrête là.
Je peux lui mettre des dégâts au moins. Faut que je l'esquive, je pense. Ça, j'ai capté. Ah, il s'est arrêté juste avant. Mais c'est ça. C'est sûr que c'est ça. C'est sûr. Ah, il s'est arrêté juste devant, vraiment. Je suis obligé de me faire toucher alors. Olé. Je suis obligé de me faire toucher. Alors attendez. Du coup, si je suis obligé de me faire toucher. Quoi? Comment j'ai réussi à l'avoir tout à l'heure? Ah, comme ça, ok, j'ai capté. En fait, faut pas que je sois collé au truc. Je donne plus d'élan. Eh bien. Ah là là. Pas grave, il a pris le dégât quand même. C'est qu'il court vite, hein. Ok. Oh là là, bien joué. Il m'a bien feinté. Par contre, ouais, le triple dégâts, ça va pas. Oh là là. C'est pas du tout fatigant. Bon allez, on s'arrête là. Voilà les enfants, c'était Taz Escape from Mars. Mais du coup, vu qu'il s'est échappé de Mars, je comprends pas pourquoi on se tape le Mexique et un château hanté. Enfin bref, on s'est échappé de Mars, tout va bien, c'est fini quoi. Voilà les enfants, on va s'arrêter là. On se retrouve la semaine prochaine si tout va bien. N'oubliez pas, vous pouvez utiliser le code promo J10JAY10 pour avoir une méga réduction sur votre commande si vous commandez sur le site la-console-retro.fr. C'est compatible avec tout ce qu'il y a sur le site. Des gros bisous à tous. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain si tout va bien. Prenez soin de vous, prenez soin des autres comme d'habitude. Ciao.